Bonjour. Bonjour, je vois encore quelques participants qui se connectent à la rencontre d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Geneviève Godbout, je suis responsable de programme au Fonds de recherche Société et Culture. Je suis en charge de l'animation de la rencontre aujourd'hui. Je suis accompagnée de ma collègue Audrey Asselin, qui est technicienne au FRQSC et responsable de l'organisation de la séance et de son opérationnalisation sur la plateforme de visioconférence. Alors, j'en profite donc pour la remercier. C'est un réel plaisir de vous accueillir à l'occasion de cette activité. Donc, je vous souhaite la bienvenue au nom du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, et du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, donc le MIFI. Et tous deux, donc, sont partenaires dans le programme d'action concertée, le programme d'aujourd'hui. Alors, le Fonds est vraiment fier de s'associer au ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, qui s'implique depuis près de 5 ans activement dans le soutien à la recherche avec le Fonds et en reconnaît l'importance pour éclairer les décisions et les actions gouvernementales au sein de différentes instances et en direction des milieux de pratique concernés. Alors, brièvement, si vous en êtes à votre première participation, peut-être à une activité de transfert, pour les personnes qui sont donc moins familières avec la mission des Fonds de recherche du Québec, je me permettrai de rappeler que celle-ci est notamment de promouvoir et d'aider financièrement le développement de la recherche dans les secteurs des sciences sociales et humaines, des arts et des lettres. Pour ce faire, le Fonds met en place des dispositifs rigoureux afin d'octroyer des bourses et des subventions de recherche aux meilleures étudiantes et étudiants, aux chercheuses et chercheurs du Québec. Donc, en se tournant vers le Fonds de recherche, nos partenaires s'assurent de la rigueur et de l'impartialité du processus d'attribution des subventions, de même que de la qualité scientifique des projets financés. Dans le cadre du programme Action concertée, nous partons des besoins et préoccupations exprimés par ces partenaires, qui sont pour beaucoup des ministères et qui, en souscrivant à nos programmes, adhèrent à 2 principes centraux pour le Fonds, soit la liberté académique et l'accès public aux résultats des projets financés. C'est pourquoi, au terme de chaque recherche menée dans ce contexte, le FRQSC et les organismes partenaires organisent une activité de transfert pour favoriser l'appropriation des connaissances produites par les milieux utilisateurs. Alors, c'est à la suite du lancement d'un appel de proposition en 2017, invitant la communauté scientifique à se pencher sur la question de la participation à la vie collective, aux différentes sphères de la vie collective, des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles, et ce, afin de permettre de mieux comprendre les mécanismes de participation de toutes et de tous à la vie collective québécoise, et afin de dégager les particularités chez les personnes immigrantes et celles appartenant à des minorités ethnoculturelles. Également, permettre de cerner les principaux facteurs qui suscitent ou freine la participation dans une perspective comparative. Et donc, à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux, ont été sélectionnés 2 projets de cet appel de proposition. Et donc, aujourd'hui, le projet de M. Antoine Bilodeau, qui est professeur à l'Université Concordia, est arrivé au terme de cette recherche et vient nous présenter donc les résultats. Alors, avant de commencer, je veux quand même rappeler, bon, vous avez remarqué que vos micros et caméras sont fermés. La rencontre est enregistrée, sera diffusée ultérieurement sur la chaîne YouTube du Fonds de recherche du Québec. Et donc, la présentation est d'une durée de 45 minutes et suivie d'une période de questions de 10 à 15 minutes. Des questions que vous pourrez soumettre dans la section discussion ou chat ou peu importe là, ce que vous avez un accès. Et ces questions-là seront à la période de questions relayées à Antoine Bilodeau. Donc, n'hésitez pas tout au long de la présentation déjà à soumettre vos commentaires ou ces questions. Et ben, j'aimerais souligner que c'est avec Mme Valérie Beauregard, qui est du MIFI, qui est coordonnatrice au service de la recherche de la statistique et de la veille, qui a généreusement accepté d'agir à titre de modératrice pour la période de questions qu'elle relayera à Antoine Bilodeau. Elle agira ainsi comme votre porte-voix. Alors, bien, nous accueillons donc Antoine Bilodeau, professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université Concordia. Ses intérêts de recherche portent sur l'intégration politique des immigrants et sur les dynamiques d'ouverture à l'immigration et la diversité ethnoculturelle au Québec et ailleurs dans le monde. Et j'aimerais souligner par ailleurs que dans les dernières années, Antoine Bilodeau s'est vu décerner le prix Concordia University Research Award en 2016-2017, ainsi que le prix John McManamy, désolé, à 2 reprises, soit en 2020 et auparavant en 2011. Et c'était pour le meilleur article publié dans la Revue canadienne de sciences politiques. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Antoine Bilodeau afin que vous puissiez nous présenter votre projet et les résultats qui en découlent. Merci beaucoup, Mme Godbout. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec nous. Donc, je vais partager mon écran pour pouvoir commencer ma présentation. Et donc, vous devriez voir mon diapo apparaître. Oui, parfait, merci. Donc, tout d'abord, ben, merci d'être là, mais aussi, je voulais souligner quelques remerciements pour le FRQSC, mais aussi pour le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, pour leur soutien dans l'organisation de ce projet-là, pour la réalisation de ce projet-là, qui n'aurait évidemment pas été possible sans leur soutien. Puis, je voudrais aussi souligner le fait que Mme Godbout soulignait les principes du FRQSC qui favorisent la recherche, mais aussi la liberté académique. Et je voulais souligner que le ministère a été exemplaire dans le contexte de ce projet-là pour nous laisser la latitude de réaliser le projet. Évidemment, le projet s'est fait en collaboration, mais je voulais souligner comment il s'est fait dans la bonne entente et c'est très apprécié. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je suis ici seul pour présenter le projet, mais ce n'était pas mon projet à moi seulement. C'était un travail d'équipe qui inclut aussi Mireille Paquet, Chérie Belkoja et Daniel Salé, tous trois de l'Université Concordia. Mais je voulais aussi souligner le travail exceptionnel, dévoué, persévérant de nos deux chercheurs postdoctoraux, Jean-Philippe Gauvin, qui est toujours à Concordia en ce moment, et David Dumouchel. Donc, sur ça, je commence la présentation plus formelle du projet. Donc, les contextes et les objectifs, c'était évidemment, le projet s'inscrivait en réponse à l'appel de proposition dont Mme Godbout faisait référence, de l'appel en action concertée, plus précisément pour ce qui était appelé l'axe 2, qui visait à mieux comprendre l'effet de ce que le ministère avait appelé les dispositions sociétales sur la participation des personnes immigrantes au Québec. Je prends une minute, même pas, pour souligner en fait un peu la définition de la participation, comment elle était entendue à l'époque par le ministère, mais que nous avons aussi reprise pour les fins du projet, c'est-à-dire une action de participer, de prendre part au sens de contribuer, de s'engager, de s'associer et de faire un apport à la société en général ou à un de ses sous-groupes. Donc, je voulais juste souligner le point de départ du projet. Plus précisément, qu'est-ce qu'on fait dans ce projet-là ou qu'est-ce qu'on a fait dans ce projet-là? Donc, on y allait en deux temps. Les objectifs étaient plus précisément d'évaluer les niveaux de participation des immigrants et de les comparer avec ceux de ce qu'on a appelé les membres du groupe majoritaire, que je vais définir plus précisément plus tard dans la présentation. Donc, évidemment, ce n'était pas l'objectif premier du projet, mais il nous semblait difficile d'évaluer le rôle des effets dispositions sociétales ou autres facteurs contextuels si on ne commençait pas par d'abord comparer les niveaux de participation des personnes immigrantes avec le reste de la population. Et donc, évidemment, l'objectif 2, qui était d'évaluer l'importance relative des facteurs contextuels, donc dans notre cas, à l'échelle de la localité, sur la participation des immigrants. Et plus précisément, on avait choisi 4 dimensions de la participation sur les 6 ou 7 qui étaient proposés dans l'appel de proposition, et donc qui étaient les dimensions de la participation identitaire, communautaire, citoyenne et linguistique. Donc, encore une fois, qui étaient les 4 des dimensions proposées par le ministère ou l'appel de projet. Les questions de recherche, en fait, elles sont au nombre de 3 pour guider notre projet. Donc, peut-être, je reviendrai plus tard sur la question de la localité puis de comment on définit le contexte, mais c'était ça. Donc, les 2 objectifs, évaluer les niveaux, puis ensuite évaluer le rôle du contexte que nous avons choisi comme étant le contexte local. 3 questions de recherche. Donc, la première, est-ce que les immigrants participent plus, moins ou tout autant que les autres Québécois? Okay. Deuxième question, aussi, tout aussi explicite, donc dans quelle mesure les effets contextuels à l'échelle de la localité expliquent-ils la participation des personnes immigrantes au Québec? Donc, est-ce que ces facteurs-là, est-ce que c'est vraiment le contexte local où ils vivent? Dans quelle mesure il a un effet sur leur participation? Ou c'est d'autres facteurs, par exemple, les facteurs de nature individuelle? Et finalement, 3e question, est-ce que les effets contextuels locaux qu'on observe ou pas sont plus accentués ou moins accentués chez les personnes immigrantes racisées? Puis je reviendrai sur la justification de cette 3e question-là. Fait très important à souligner, comme je l'ai mentionné, c'était 4 dimensions de la participation. C'était un projet dont l'ampleur des travaux de recherche empirique était assez large, assez vaste, étant donné les 4 dimensions de la participation et, comme vous le verrez, les différentes variables contextuelles qu'on cherchait à examiner. Et donc, c'est un peu difficile, c'était un peu difficile pour moi de penser, de présenter la totalité des résultats du projet de recherche aujourd'hui. J'ai essayé différentes façons, mais c'est franchement, ça donnait un résultat pas très convaincant. Donc, ce que je vous propose au lieu de ça, c'est une présentation qui est spécifique à une des 4 dimensions de la participation, soit plus précisément celle de la participation identitaire. On pourra revenir dans la discussion, si vous voulez, pourquoi j'ai fait le choix de cette dimension-là. Donc, première question de recherche, les immigrants participent-ils plus ou moins ou autant que les autres Québécois? Donc, la recherche, elle est assez claire, je crois, surtout en ce qui concerne, évidemment, la dimension identitaire ou la dimension de participation citoyenne, participation politique, participation civique, dépendamment de comment vous voulez l'appeler, que les immigrants, que ce soit au Québec, au Canada ou dans beaucoup d'autres pays, tentent à participer moins que les populations natives. Et il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Je ne vais pas passer en revue tout ça parce que ça prendrait probablement le temps qui m'est alloué au complet ou presque. Mais c'était vraiment ça le point de départ. Et donc de voir, est-ce qu'on observe ça dans notre étude, mais aussi ensuite, qu'est-ce qui peut expliquer ces écarts de participation, évidemment, si on les observe. L'autre truc qui était très important de souligner aussi, c'est qu'on sait dans la littérature que les personnes racisées, qu'elles soient immigrantes ou pas, se retrouvent très souvent en situation de marginalisation, que ce soit socio-économique, donc l'emploi, mais aussi le logement et une vaste gamme d'expériences discriminatoires. Donc, les personnes qui sont dites blanches. Et donc, ces 2 grandes observations-là, ici, que je résume encore une fois de façon très, très, très sommaire, nous amenaient à poser 2 hypothèses, ou pardon, une hypothèse avec 2 sous-volets. Et donc, elle se lit comme si la première hypothèse, que les immigrants, on s'attend à ce que les immigrants affichent des niveaux de participation qui soient moins élevés que les autres Québécois. Mais aussi, le 2e volet, on s'attend à ce que les niveaux de participation soient encore moins élevés chez les immigrants dits racisés que chez les immigrants blancs. Donc, c'était notre première hypothèse qu'on posait pour notre projet. Pour la 2e question, donc les effets contextuels à l'échelle de la localité expliquent-ils la participation des immigrants au Québec? Alors là, notre point de départ vraiment plus théorique était la notion, comme vous pouvez le voir apparaître, la notion de structure d'opportunité, qui est en fait un concept qui est emprunté beaucoup à l'étude des mouvements sociaux, qui explique que dans ce cas-ci, les opportunités, donc la propension à participer ou non d'un individu, elle est dépendante en partie de facteurs exogènes du contexte où la personne réside, dans notre cas. Et donc, c'est ce contexte-là, donc, qui inclut les dispositions sociétales, mais qui est plus large que les dispositions sociétales, donc d'autres facteurs contextuels, dans la localité où le résident, ici les migrants plus particulièrement, demeurent, qui ouvrent et ferment des portes qui peuvent faciliter ou bloquer la participation. Mais évidemment, l'idée ici, c'est que la structure d'opportunité, elle n'est pas en soi déterministe. Elle ouvre et elle ferme des portes, mais ensuite, c'est aux individus de pouvoir essayer de défoncer les portes si elles sont fermées, mais plus largement, de profiter des opportunités s'ils le sont capables, évidemment, et s'ils le veulent, qui sont ouvertes. Donc, c'est un modèle qui s'ancre dans la notion de structure d'opportunité, facilitant ou pas la participation, mais qui tient aussi compte des caractéristiques individuelles de nos participants, plus précisément des personnes immigrantes, que ce soit leur âge, leur niveau d'éducation, le sexe, leur appartenance ethnique, religieuse, mais ici, plus précisément, on regardait s'ils étaient racisés ou pas, mais aussi, ce qui n'est pas mentionné sur la diapositive, notamment, s'ils sont récemment arrivés au Québec. Donc, le modèle qu'on proposait, c'est un modèle qui fusionne un peu ces deux types d'influences-là, qu'elles soient individuelles ou contextuelles, précisément la structure d'opportunité. Et c'est un modèle, c'est important de le préciser encore une fois, qui n'est pas ni uniquement basé sur l'agentivité des immigrants. Donc, ça serait, oui, les immigrants, ils ont un rôle, ils ont un pouvoir d'action qu'ils peuvent décider ou être capables de mettre en action. Mais ce pouvoir d'action-là est ancré dans une structure, dans un contexte qui facilite ou ralentit ou diminue la propension à la participation. Donc, ça, c'est le cadre global qu'on utilisait pour nos analyses. Plus précisément, on regardait deux types d'effets contextuels au niveau de la localité. Le premier, beaucoup plus classique comme type d'étude, c'est ce qu'on appelait les effets matériels du contexte, qui plus explicitement rendent compte de la disponibilité des ressources tangibles qui sont nécessaires à la participation. En tant que politologue, on sait que les inégalités de participation qu'on observe au système politique, donc la participation électorale, mais aussi la participation non électorale ou comme civique plus largement, est en fait souvent, en large partie, le prolongement d'inégalités socio-économiques qu'on observe. Donc les inégalités de revenus, les inégalités de niveau de développement plus large, de ressources disponibles, tangibles, vont être en grande partie responsables des inégalités qu'on va observer ensuite au niveau de la participation politique. Donc, l'idée, c'était de transposer cette logique-là, ou ce postulat, ou ce constat-là, aux autres dimensions au-delà de la participation politique et civique. Au-delà des ressources plus classiques, tangibles, qu'on associe aux personnes immigrantes, mais pas seulement aux personnes immigrantes, on sait aussi, c'est assez bien documenté dans plusieurs sphères, mais ici, je me concentre évidemment dans mon domaine de prédilection, qui est la participation politique, que la densité ou la concentration de personnes immigrantes est en fait une ressource, agit comme une ressource pour les personnes immigrantes dans un lieu, dans une localité donnée. Donc, plus le réseau immigrant va être fort, plus on a différentes études, plus la participation politique va être grande, plus la confiance en général va être grande aussi. Donc, ce réseau, cette présence immigrante-là, sert de ressources pour faciliter la participation sous diverses formes. Donc, ces deux grandes observations-là ou constats-là de la littérature nous amenaient à poser nos hypothèses 2 et 3. Et donc, l'hypothèse 2 est là, en la réalisant tout à l'heure, j'allais dire que c'est un peu contre-intuitif, plus de moins, c'est toujours un peu difficile à comprendre, mais c'est pas difficile, mais c'est juste contre-intuitif à première vue. Donc, plus le niveau de pauvreté, parce que c'est l'indicateur qu'on va utiliser, donc l'inverse de la présence de ressources, plus le niveau de pauvreté est élevé dans une localité donnée, plus le niveau de participation des immigrants sera faible, ou moins il sera grand, d'où la confusion. Alors, s'il y a une pauvreté de ressources que nous savons facilite la participation dans un lieu donné, donc on devrait s'attendre à ce que la participation des immigrants soit plus faible. À l'inverse, plus la communauté du pays d'origine d'un immigrant, et donc là, on ne parle pas de la présence globale d'immigrants dans une localité, mais on parle d'un immigrant d'origine X, et s'il y a d'autres immigrants dans la communauté autour de lui de la même origine, donc plus ce réseau-là étroit, c'est plus étroit et fort, plus on pourrait s'attendre à ce que la participation de l'immigrant soit élevée dans sa localité donnée. Nos recherches, par contre, allaient plus loin que ça. Et là, c'est là où on répondait plus directement aussi à les attentes précises de l'appel de proposition qui demandait d'examiner le rôle des dispositions sociétales. Et donc, le deuxième type d'effet contextuel qu'on regardait, c'est ce que nous avons préféré appeler les effets symboliques au lieu des dispositions sociétales. Et pour nous, les effets symboliques rendent compte, un peu comme l'appel le suggérait, donc de la qualité du climat de réception dans lequel l'immigrant va s'insérer. Et la recherche à ce niveau-là, elle est moins développée, elle est présente, mais elle est un peu moins développée qu'en ce qui concerne les effets des ressources plus tangibles. Et on sait, par exemple, par des recherches comme Christina Simonsen, qui est une chercheuse danoise et qui a étudié la force du sentiment d'appartenance des immigrants à travers bon nombre de pays. Et on sait que, par ses travaux, que plus le groupe majoritaire dans un pays donné s'identifie de manière plus ouverte, plus inclusive, plus fort sera le sentiment d'appartenance des immigrants qui résident dans ce pays-là. Donc, qui vraiment sous-tend l'idée que le contexte où s'insèrent les immigrants, ici par contre défini au niveau national, donc du pays au complet, a une incidence sur la capacité des immigrants, ici au niveau de la participation identitaire. Dans la même lignée, mais au niveau micro, avec des collègues récemment, on a publié un article qui montrait qu'effectivement, non seulement la force du sentiment d'attachement envers une communauté était importante pour prédire si les nouveaux arrivants ou si les immigrants allaient participer largement dans la société sous différentes formes, mais en fait, on voyait que le fait de se sentir accepté par le reste de la population était aussi un facteur extrêmement important pour favoriser une plus grande participation. Donc, ces deux constats-là, où c'est un peu le même, nous amenaient à poser vraiment dans le sens de ce que l'appel de projet suggérait, c'est-à-dire d'étudier les effets symboliques du contexte. Plus précisément, ça nous amenait à proposer deux hypothèses, qui sont les hypothèses 4 et 5, c'est-à-dire l'hypothèse 4, plus une localité est multiculturelle, et là, ici, plus précisément, on ne fait pas référence nécessairement au multiculturalisme comme étant une politique publique ou une philosophie, mais une réalité démographique, qui, en fait, on pourra en discuter plus tard, si vous voulez, que pour le terme de l'étude de ce que je vous présente, on a mesuré comme étant la concentration d'immigrants dans une localité donnée. Donc, plus le niveau est plus la localité est multiculturelle ou plus il y a d'immigrants, plus le niveau de participation des immigrants devrait être élevé. Et l'idée, ici, dans le cadre des effets symboliques, c'est qu'on présumait que peut-être, au-delà des effets tangibles, que la diversité d'un milieu ou la présence de beaucoup d'immigrants pouvait peut-être présenter des attentes de normes plus floues, plus souples, qui facilitait ou amenait une plus grande aisance des immigrants pour se sentir à l'aise ou libre de participer, versus des milieux plus homogènes où peut-être les attentes pouvaient être perçues comme étant plus rigides. Donc, c'est un peu l'idée derrière l'hypothèse 4. Et dans le même sens, mais mesurée différemment, l'hypothèse 5 suggérait que plus le groupe majoritaire dans une localité donnée est ouvert à l'immigration, plus le niveau de participation des immigrants était sans doute élevé dans cette localité-là. Et l'idée, c'était vraiment, si je suis dans un milieu où on apprécie ma présence, on est ouvert, réceptif à ma présence, plus je vais me sentir à l'aise de m'impliquer, de m'engager, puis de participer avec tout le monde. Alors que si je suis dans un milieu qui est vraiment refermé, exclusif, qui m'envoie des messages que je ne devrais pas être là, ou que je devrais rester être là, mais pas me manifester, je vais peut-être être plus discret, effectivement, dans mon engagement social, politique, communautaire ou autre. Donc, c'était pour les 5 premières hypothèses, mais ce qui nous reste quand même, la question numéro 3, sur les effets contextuels locaux, à savoir, est-ce qu'ils sont différents chez les personnes immigrantes racisées? Et ici, il y a quelques trucs à mettre en contexte. On s'attend à ce que on s'attendait à ce que les effets symboliques soient plus amplifiés, soient plus forts, plus observables, facilement observables chez les immigrants racisés que chez les immigrants qui sont dits blancs. Et l'idée était que, étant donné les problèmes qu'on connaît de marginalisation, les problèmes de discrimination qui existent, que le fait qu'un immigrant racisé étant plus visible, mais surtout en ce qui concerne les effets symboliques, que ces effets-là se matérialisent de façon beaucoup plus tangible, beaucoup plus percutante chez les immigrants qui sont racisés que chez les immigrants blancs, qui peuvent plus facilement passer inaperçus. Donc, si le climat est plus hostile ou moins réceptif, ou à l'inverse, si le climat est plus réceptif et moins hostile, l'impact de tout ça devrait d'abord et avant tout se faire ressentir sur la propension de participer des personnes immigrantes qui sont racisées. Je tiens aussi à souligner que l'idée de cette hypothèse s'inscrivait aussi dans un changement qu'il y a eu au projet. Parce qu'au départ, on devait, comme Mme Godbout l'expliquait, c'était l'impact des dispositions sociétales sur les personnes immigrantes et chez les membres des minorités ethno-culturelles. Mais avec les ressources qu'on avait, la difficulté d'échantillonnage auquel on a fait face, c'était difficile d'étudier les immigrants et les personnes ethno-culturelles séparément pour pouvoir emporter des conclusions. Donc, on s'est concentré sur le groupe des premières générations d'immigrants, donc qui sont nés à l'étranger. Et là, à l'intérieur de ce groupe-là, on distinguait les immigrants qui sont dits, encore une fois, racisés et ceux qui sont dits blancs. Donc, c'était l'idée de l'hypothèse 3, donc les effets contextuels sur la participation seraient plus forts chez les immigrants racisés que chez les immigrants blancs. Donc, comment est-ce qu'on s'y est pris pour aller tester ces hypothèses-là? Et c'est là que je vais vous dire un mot un peu sur la notion de localité, pourquoi on s'est concentré sur la notion de localité. Bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que l'évidence que je vous parlais des travaux comme ma collègue danoise a fait, Christina Simonsen, ils sont faits en comparant des pays, mais il y avait moins de recherches disponibles, quelques-unes, mais moins de recherches qui montraient l'effet au niveau sous-national. Ça rappelle la comparaison des provinces, mais nous, on décidait de choisir au niveau plus à l'intérieur du Québec, ce qui nous amenait aussi à répondre directement à l'appel de propositions qui était sur la participation des personnes immigrantes au Québec et non pas dans l'absolu, un peu partout. Et donc, la notion de localité, nous espérions, nous offrirait cette fenêtre d'opportunité-là pour aller voir comment différents effets de contexte locaux pouvaient avoir un impact. Ensuite, pourquoi la localité? On aurait pu choisir le quartier. Pour nous, ça nous semblait une unité géographique peut-être un peu trop petite, mais l'idée de la localité, comme vous le verrez dans certains cas, ça veut dire une municipalité, dans beaucoup de cas, ça veut dire un arrondissement, parce que la réalité démographique de Montréal, du Québec étant ce qu'elle est, la vaste majorité des immigrants se retrouvent dans Montréal et sa grande région. Mais l'idée, c'était que ce soit la municipalité ou l'arrondissement, la dynamique, comme c'est une autorité institutionnalisée qui a des élections, qui a des distributions de ressources, qui a un rôle vraiment plus tangible à jouer, on pensait que peut-être cette réalité-là nous offrirait cette opportunité pour voir vraiment l'effet de l'effet local. Vous verrez ce que ça donne bientôt. Et bref, tout ça pour dire qu'on réalisait ça donc, dans 29 localités, des arrondissements de Montréal et des municipalités autour, et ailleurs au Québec, dans une certaine mesure, on a réalisé deux sondages. Le premier sondage, qui était le sondage auprès des immigrants, qui est notre groupe cible. Et là, l'idée, c'était d'avoir un échantillon qui était variable dans sa taille par localité. Donc, on visait au départ vraiment un échantillonnage stratifié avec le même échantillonnage dans toutes les localités, mais ce n'est pas quelque chose qui s'est avéré possible parce que dans certaines localités, c'était extrêmement difficile le recrutement des répondants immigrants. Donc, on a laissé varier un peu la taille de l'échantillon d'une localité à l'autre. C'est un sondage qui était d'une durée d'environ 20 minutes, tout dépendamment s'il était web ou s'il était téléphonique, un peu plus court sur le web, un peu plus long au téléphone. Donc, un sondage qui était bimodal. Comme vous pouvez voir, 929 répondants web, plus précisément des répondants qui étaient des participants du panel léger. Et 1136 répondants qui ont été recrutés par téléphone. Si on voulait, on pourra revenir. Évidemment, la composition des chansons n'était pas exactement la même, qu'on soit web ou téléphone, beaucoup plus jeune sur le web. Ou en fait, ce que je devrais dire, c'est beaucoup plus vieux ou âgés au téléphone. Le web, aujourd'hui, quand même, demeure passablement, de plus en plus représentatif, pas complètement, alors qu'on a été assez troublés de voir la prépondérance de retraités dans notre échantillon téléphonique. Oui, on pourra revenir sur ça si ça vous intéresse. Le deuxième sondage était le sondage du groupe majoritaire, qui était là d'abord et avant tout pour servir de point de comparaison. Donc, dans les mêmes 29 localités, évidemment, que pour les échantillons d'immigrants, on a fait un sondage, parfois similaire, parfois différent, mais qui allait à la base, oui, mesurer les mêmes indicateurs de participation. Le groupe de référence, ce qu'on appelle le groupe de comparaison, qu'on appelle le groupe majoritaire, est défini comme étant des gens qui sont nés au Canada, qui sont francophones et qui ne sont pas membres d'une minorité visible, ou dire autrement, qui sont blancs. Donc, l'idée, c'était vraiment d'aller voir si on compare des nouveaux arrivants avec le groupe majoritaire qu'on peut évaluer et le plus établi et ou le plus dominant, dépendamment de la perspective qu'on veut prendre. Ce sondage-là était aussi à une durée de 20 minutes, mais il était entièrement sur le web, celui-là. Puis, c'était plus facile le recrutement, donc on avait un N d'environ 95 et plus par localité. Maintenant, vous voyez à l'écran la distribution de, nos échantillons d'immigrants, donc au total 2065 au travers de nos 29 localités. Donc, les localités ont été choisies, comme je dis, il y a, si je me souviens bien, 19, je pense, arrondissements de Montréal. Mais ensuite, on avait deux localités sur la rive sud, Longueuil et Gatineau. Oui, on avait Longueuil avec deux différents quartiers de Longueuil au départ qu'on a regroupés. Non, c'est ça, excusez-moi, Longueuil, mais aussi Brossard sur la rive sud, pardon, je savais que j'allais y arriver. Ensuite, deux quartiers de Laval sur la rive nord. On avait aussi des municipalités sur l'île de Montréal, mais qui ne sont pas des arrondissements de Montréal. Et finalement, on avait ce qu'on appelait des localités qui sont hors Montréal ou un peu plus éloignées, qui incluaient Gatineau, Sherbrooke, Terrebonne, et aussi Québec. Okay, donc, vous pouvez voir ici les différentes tailles d'échantillons. Évidemment, dans certains endroits comme Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, le travail de recrutement était beaucoup plus facile. Et dans d'autres endroits, par exemple Terrebonne ou même Dollard-des-Ormeaux, c'est un peu moins, mais en tout cas, le recrutement était plus difficile. C'est ça, oui, c'est ça. La difficulté du recrutement était fonction non seulement de la prépondérance des immigrants dans une communauté donnée, mais évidemment de la taille de la communauté. Parce que recruter des immigrants, s'il y a 12% d'immigrants dans une localité de 100 000 habitants, beaucoup plus facile que dans une localité où il y a aussi 12% d'immigrants, mais où ils sont 5 000 okay, ou 10 000. Donc, c'était évidemment la taille de l'échantillon est une résultante de ces deux facteurs-là. OK, les résultats. Je vous rappelle encore une fois que je me concentre aujourd'hui uniquement sur la dimension identitaire et plus spécifiquement encore sur la force de l'attachement exprimée par les immigrants et non-immigrants à notre étude. La façon qu'on s'y est pris, c'est qu'on a posé la même question, évidemment, à tous les répondants, puis on leur demandait d'évaluer la force de leur attachement au Québec, au Canada et à leur quartier sur une échelle de 0 à 10, où 10 voulait dire qu'ils étaient tout à fait attachés ou complètement attachés, et 0 voulait dire qu'ils ne l'étaient pas du tout. On mesurait aussi séparément la force du sentiment d'être accepté par le Québec, par le Canada ou par le quartier. Je ne vous présente pas les résultats aujourd'hui sur ça, mais ils ne sont pas fondamentalement différents de ce que je vais vous présenter à l'instant. Et aussi, évidemment, l'avantage d'utiliser la force de l'attachement, c'est que la notion de l'attachement se transposait beaucoup plus facilement aux répondants du groupe majoritaire, alors que la notion d'acceptation, en fait, on ne l'aura pas posée tout simplement au groupe majoritaire, ce qui limite un peu les comparaisons qui rend, je pense, le tout un peu moins intéressant à présenter et j'imagine à écouter. Donc, première étape, c'était quoi les niveaux d'attachement moyens exprimés par chacun des trois groupes, que ce soit pour le Québec, le Canada et le quartier. Bon, c'était le point de départ et on n'a pas vraiment eu de surprise. pouvez voir sur la portion gauche pour le niveau du Québec que le sentiment, plusieurs constats. La première, c'est qu'il n'y a pas de gros écarts entre les groupes. Il y a des écarts où les membres du groupe majoritaire ont exprimé un attachement un peu plus fort au Québec que les autres, les immigrants qui sont blancs ou racisés. Et une différence aussi, pas très grande, mais quand même une différence statistiquement significative entre les immigrants blancs puis les immigrants racisés. Mais pas des gros écarts. Puis ça confirme ce qu'on avait déjà observé dans d'autres études préalablement. Aussi, conforme à ce qu'on a observé dans d'autres études, l'attachement au Canada ici, c'était l'inverse, c'est-à-dire de façon pas très surprenante. Là. Donc, personne dans notre équipe était surpris que l'attachement au Canada est plus fort chez les groupes immigrants, qu'ils soient blancs ou racisés, qu'auprès du groupe majoritaire, ce qui reflète beaucoup, en fait, une réalité très québécoise de la population non-immigrante. En fait, l'écart entre leur attachement au Canada et leur attachement au Québec versus chez les immigrants, qui est, somme toute, de force relativement égale, qu'on parle du Québec ou du Canada. Et finalement, l'attachement au quartier, où là, en fait, on observait presque pas d'écart. Un écart que vous allez voir à la prochaine diapo est significatif, mais qui n'est pas substantiellement très important ou pertinent ou intéressant. Donc, ensuite, ce qu'on faisait dans nos étapes d'analyse, c'est qu'on vérifiait si les écarts observés au niveau brut, donc la colonne de gauche pour chacune des couleurs, avant les variables de contrôle, si ces écarts-là persistaient en contrôlant pour les variables individuelles de socio-économique. Et vous pouvez le voir dans la plupart des cas, sauf pour le quartier où la petite différence cessait d'être non seulement significative, mais observée. Mais pour le Québec et le Canada, en fait, les différences observées ne changeaient pas vraiment une fois qu'on contrôlait pour les facteurs socio-économiques. Pourquoi on faisait ça? Ben, l'idée, c'était vraiment, on sait, la littérature est beaucoup mieux établie sur le rôle des variables individuelles. Et comme nous, on s'intéressait au rôle des variables contextuelles, bien, on voulait aller contrôler le plus possible. Donc, aller voler la variance, aller voler ce qui explique les variations dans les niveaux d'attachement avec les variables individuelles qui sont bien établies. Et là, ensuite, ce qui restait, de voir si ça pouvait s'expliquer par les variables contextuelles qui nous intéressent plus spécifiquement. Donc, dans le cas du quartier, ça laissait peu de marge de manœuvre. Dans le cas de l'attachement au Canada et de l'attachement au Québec, en fait, là, ça nous laissait une certaine marge de manœuvre à explorer, explorer le rôle des variables contextuelle. Donc, l'étape suivante, une fois qu'on avait fait ça, c'était d'aller voir quelles sont les variations au niveau de l'attachement, mais au niveau de nos 29 localités. Donc, comment ça varie? Donc, ce que vous voyez en ce moment, c'est l'attachement au Québec selon la localité, mais c'est plus précisément, ce sont des données brutes, donc on ne contrôle pas pour les variables... ce sont les écarts qui contrôlent pour les variables socio-économiques, mais ce sont les écarts, ce ne sont pas les scores bruts, ce sont l'écart entre les immigrants d'une localité et le groupe majoritaire de la même localité. Et l'idée, c'était qu'on peut avoir d'autres facteurs plus larges qui font varier d'une localité à l'autre. Donc, on s'intéresse à comment les immigrants se distinguent des gens du groupe majoritaire avec qui ils cohabitent localement. Donc, il y a plusieurs choses que je pourrais souligner ici. La première, qui est probablement la plus frappante, c'est que tous les écarts sont du côté négatif. Okay? Il n'y a pas une seule localité où l'écart est positif. Donc, l'écart négatif veut dire que le groupe majoritaire est plus attaché au Québec que ce qui est exprimé par les populations migrantes. Okay? Dans aucun cas, l'écart est positif, c'est-à-dire que les immigrants seraient collectivement plus attachés au Québec que les autres personnes de la localité. C'est la première observation. La deuxième observation, c'est faites attention en regardant parce que ce n'est pas que les barres pleines qu'il faut regarder. Il faut aussi regarder cette petite ligne avec ses deux extrémités qui est l'intervalle de confiance. Et si on prend en compte l'intervalle de confiance, en fait, ce qu'on réalise, c'est que à l'œil, à première vue, il y a très peu de variations significatives dans le niveau d'attachement, dans les écarts d'attachement entre les groupes majoritaires et les immigrants d'une localité à l'autre. Donc, dans certains cas, oui, ça varie un peu, mais de manière générale, tous les écarts sont dans le négatif, La taille varie un peu, mais quand on prend en considération les intervalles de confiance, c'est presque du pareil au même, peu importe la localité où on vit. Et ça, c'était un point de départ qui pour nous était base, qui nous suggérait que nos chances d'appuyer nos hypothèses étaient d'ailleurs très faibles. Et nos modèles mathématiques nous montraient ensuite qu'en fait, il y avait très peu d'espace. La variance expliquée au niveau contextuel était extrêmement limitée, même avant même d'essayer d'identifier quels facteurs pourraient les faire varier d'une localité à l'autre. Maintenant, l'attachement au Canada. Et le constat est comme le même, mais à l'inverse. Okay? C'est-à-dire que ici, vous verrez, il n'y a rien à gauche, okay, dans les écarts négatifs, et toutes les localités sont à droite, okay, ou pas différentes de zéro. Donc, c'est l'inverse, c'est-à-dire que dans toutes les localités, les immigrants exprimaient des niveaux d'attachement au Canada qui étaient plus forts que ceux exprimés par les membres du groupe majoritaire. Et le même, ici, le constat est le même pour la deuxième observation. C'est-à-dire que si on tient compte des intervalles de confiance, il y a vraiment peu de variations d'une localité à l'autre. Donc, qui laisse peu de place à l'idée d'identifier des effets contextuels locaux. Rapidement, parce que je vois que le temps file, les arrondissements de Montréal et les hors-Montréal, donc vous remarquerez ici que c'est l'inverse, c'est-à-dire que ben là, il n'y a pas grand-chose de différent de zéro. C'est ni à gauche, c'est ni à droite. Des fois, c'est un petit peu à gauche, des fois, c'est un petit peu à droite, mais dans l'ensemble, les écarts qu'on observe ne sont pas significatifs ou différents de zéro. Donc, on a trois scénarios. Québec, tous les écarts sont tous négatifs. Canada, les écarts sont tous positifs. Et locaux, au quartier, il n'y a pas beaucoup de différence. Pourquoi il y a moins de localités? C'est que la question du quartier n'a pas été posée aux membres du groupe majoritaire hors Montréal. Et là, donc, ça nous enlevait quelques localités pour nos investigations concernant le quartier. Les effets des caractéristiques du contexte local maintenant, donc malgré ces débuts qui nous suggèrent qu'il y aura peu d'effets du contexte local, on a quand même continué nos recherches et on est allé voir plus spécifiquement si certaines caractéristiques du contexte local pouvaient expliquer ce qui se passe. Première diapo que vous voyez en ce moment rapporte les effets du contexte du niveau de pauvreté. Donc, plus le niveau de pauvreté augmente, qu'est-ce qui arrive avec l'attachement? Au niveau de l'attachement au Québec, vous pouvez voir à gauche, il n'y a pas d'effet statistiquement significatif. On a la ligne plus foncée, mais on a aussi les barres plus épaisses qui dénotent l'importance de l'intervalle de confiance. Okay? Donc, pour le Québec, il n'y avait rien. Pour l'attachement au Canada, c'était enfin, rien pour les immigrants. Mais on remarquait que plus le taux de pauvreté était élevé, plus c'était l'attachement du groupe majoritaire au Canada qui était faible. Bon, ça peut vous intéresser ou pas, mais ce n'était pas nous ce que nous recherchions d'abord et avant tout. Et finalement, pour le quartier, pas grand-chose de clair, mais on en remarquait que chez les immigrants blancs, plus le niveau de pauvreté était élevé, plus l'attachement au quartier était élevé aussi. Donc, peut-être vous pourrez m'expliquer exactement qu'est-ce qui se passe. Moi, ça ne me vient pas d'emblée très clairement, mais qui aussi ne suggérait pas de logique plus généralisée avec les autres groupes. Au niveau de la présence de la communauté du pays d'origine de l'immigrant lui-même, bon, évidemment, remarquez s'il n'y a pas de ligne verte parce qu'il n'y a pas le groupe majoritaire pour ça. Ici, on remarquait, pas un très gros effet, mais quand même un effet que chez les immigrants blancs et les immigrants racisés, plus la communauté du pays d'origine était nombreuse, donc plus représentait un pourcentage grand de la communauté, plus l'attachement au Québec était fort. Pas beaucoup, mais un certain, et c'est un peu difficile aussi pour moi ici de rendre compte de ça, mais qui peut-être pouvait faciliter le sentiment d'enracinement à cause de la présence de la communauté. Mais en ce qui concerne l'attachement au Canada, pas d'effet. Et en ce qui concerne l'attachement au quartier non plus, pas d'effets qui sont statistiquement significatifs. Pour l'effet du multiculturalisme, ou plus précisément, encore une fois, le pourcentage d'immigrants qu'il y avait dans une communauté donnée, en fait, on remarquait chez aucun des trois groupes un effet significatif pour l'attachement au Québec. Peu importe le niveau d'immigration dans une localité donnée, l'écart entre les immigrants et les autres, les membres du groupe majoritaire demeure le même. Pas d'effet non plus statistiquement significatif pour l'attachement au Canada. Et rien chez les immigrants non plus pour l'attachement au quartier, mais observation ici, en fait, on remarquait que chez les membres du groupe majoritaire, plus il y avait des migrants dans leur localité, moins ils étaient attachés à leur quartier. Donc, ce qui suggère une espèce d'effet de, possiblement, un certain effet de ressac en réaction à la diversité entourante dans ce cas-ci. Finalement, quatrième variable contextuelle qu'on regardait, donc l'effet de l'ouverture du groupe majoritaire sur l'attachement. Et là, ce qu'on voyait, c'était que... et soit dit en passant, je n'ai pas développé là-dessus, mais nos données pour mesurer le niveau d'ouverture de la population sont tirées de la boussole électorale qui nous a gracieusement offert les données. Donc, ils nous donnaient accès à un échantillon beaucoup plus large pour chacune de nos données, avoir une mesure plus précise du sentiment populaire dans chaque localité et qui était aussi détachée empiriquement de notre échantillon du groupe majoritaire. Donc, on voyait que pour l'attachement au Québec et pour l'attachement au Canada, non, je m'excuse, chez les immigrants racisés seulement, pour l'attachement au Québec, on voyait que plus le niveau d'ouverture était grand, moins l'attachement au Québec était grand. Donc, plus le groupe majoritaire est ouvert dans une localité donnée, moins la population immigrante est attachée au Québec. Et là, on a un peu la même tendance au niveau des immigrants blancs, mais ce n'est pas statistiquement significatif. Et on a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait ici, parce que c'est un résultat qui est quand même contre-intuitif par rapport à nos attentes. Et en fait, la conclusion à laquelle on est arrivé en regardant les données un peu plus étroitement, c'est que les localités où la population est beaucoup plus ouverte, c'est une localité à forte prépondérance anglophone, où de façon générale, on remarque un attachement au Québec qui est plus faible. Donc, c'était la seule... donc, quand on mesure le niveau d'ouverture, en fait, c'est un peu... pas vraiment une notion de causalité, là, ici, mais c'est plus de corrélation, mais qui va mesurer autre chose qui n'est pas nécessairement ce qu'on cherchait à mesurer. Autrement, pour l'attachement au quartier, ici, on remarquait que chez le groupe majoritaire, plus le niveau d'ouverture était grand, plus les gens étaient attachés à leur quartier. Donc, c'est ça. Donc, comme vous pouvez voir, ce n'était pas un gros succès au niveau de confirmer nos hypothèses, mais en fait, ça peut quand même être intéressant. J'espère qu'on en discutera. Je n'ai pas terminé. Ce qu'on a fait ensuite, rapidement, c'est qu'on est allé observer s'il pouvait y avoir des variations régionales plus grandes. Okay? Donc, l'effet du contexte régional. Est-ce que... le quartier ou pas, la localité, ce n'est pas la bonne unité de référence. Peut-être on devrait regarder des ensembles régionaux plus grands. C'est ce qu'on a fait. On a divisé entre Montréal-Ouest, Montréal-Est, la couronne de Montréal, puis hors Montréal. Et de manière générale, comme vous pouvez le voir en ce moment, ça n'a pas mené à des résultats qui sont différents. De un, on ne pouvait pas vraiment tester nos variables plus spécifiques sur la qualité du contexte. Mais juste au niveau de la ventilation, par groupes régionaux, en fait, ce qu'on voyait, c'est que de manière générale, c'était du pareil au même pour cette dimension-ci de la participation et pour les autres. Donc, ça ne nous aidait pas plus à avoir des variations, mais c'était quand même intéressant de voir que, ben, dans l'ensemble, les immigrants, dans notre étude, évidemment, qu'ils soient de Montréal-Est, Montréal-Ouest, la couronne hors Montréal, grosso modo, présentaient le même profil d'attachement au Québec, au Canada et au quartier. Donc, les conclusions, pour terminer, donc les immigrants participent moins dans l'ensemble que le reste de la population. C'est vrai pour la participation identitaire, l'attachement au Québec. Okay? Pour le Canada, comme on s'y attendait, c'est positif. Mais les écarts ne sont pas gigantesques, mais sont significatifs. Puis la plupart du temps, ils résistent aussi au contrôle socio-économique. Et on remarquait, dans une certaine mesure aussi, que le déficit était plus prononcé chez les immigrants. Là, si vous avez l'impression qu'il y avait peut-être un décalage entre ce que je vous ai présenté et la conclusion, c'est normal. C'est surtout sur le point, là, le sous-point, c'est-à-dire que cet énoncé-là, par rapport au premier point de la conclusion, c'est une généralisation de l'ensemble des résultats qu'on a eus, pas juste la participation identitaire, mais toutes les autres dimensions, c'est ce qu'on remarquait. Donc, oui, effectivement, les immigrants participent un peu moins. Les immigrants racisés, encore moins, généralement. Ce n'est pas des clivages gigantesques dans les écarts de participation, mais ils sont significatifs et ils résistent aux écarts, aux contrôles socio-économiques. On ne peut, deuxième point, observer des faits contextuels au niveau local qui étaient structurants pour la participation des immigrants ou des membres du groupe majoritaire, soit dit en passant. Donc, ce qui contredisait à peu près toutes nos hypothèses sur les variables des faits contextuels. Et c'était aussi très généralisable, ce que je vous dis là, en fait, à vos autres dimensions. Je pense que les résultats sont encore moins concluants pour les autres dimensions de la participation que celles que je vous ai présentées aujourd'hui. Et de façon générale, on a vraiment trouvé très, très, très peu d'évidence, que ce soit ici pour la participation identitaire ou pour les autres dimensions, d'évidence qui suggérait que les effets contextuels seraient différents ou plus forts chez les immigrants racisés que chez les autres immigrants. Et dans la dernière minute qui me reste, ou à peu près, je veux quand même prendre un moment, puis on pourra en discuter si vous voulez, sur les limites de la recherche, parce qu'elles sont potentiellement importantes, et donc je pense que c'est important de le souligner. La première, ce serait concernant qu'il faut être prudent dans notre interprétation des données, surtout en interprétant les écarts entre les groupes, et plus encore en ce qui concerne les immigrants, les écarts pour les immigrants racisés. C'est une réalité des études... Pardon, je vais prendre une gorgée de thé. Donc, c'est une réalité de la plupart des études sur les immigrants, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, soit dit en passant, que les personnes immigrantes qui vont accepter de se prêter au jeu d'une enquête par questionnaire, encore une fois, peu importe la méthodologie, ne sont pas nécessairement complètement représentatifs de la population immigrante. Et souvent, on peut présupposer, vont offrir ce qu'on peut appeler un biais positif d'intégration, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiante et plus intégrée de façon générale que l'ensemble de la population. Évidemment, on ne peut pas le démontrer parce que c'est ça la difficulté, mais si ce postulat-là est vrai, est fondé, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre tout particulièrement pour les immigrants racisés que les écarts observés ne correspondent pas peut-être complètement à la réalité et qu'on sous-estime les écarts de participation entre les immigrants et le reste de la population, mais encore une fois, tout particulièrement pour le groupe d'immigrants qui sont dits racisés. Et l'autre limite, et celle-là, malheureusement, était vraiment hors de notre contrôle, c'est la réalité démographique ou la réalité de l'immigration au Québec, qui fait que la très, très vaste majorité des immigrants s'établissent dans Montréal et sa proche région. Et donc, ça voulait dire que, comme vous aurez pu le constater vous-même, que nos choix de localité sont pour la plupart des arrondissements de Montréal ou très près des municipalités très près de Montréal, qui ne respectent pas nécessairement des frontières géographiques pertinentes. C'est-à-dire que la proximité des unités permet très facilement aux personnes immigrantes ou non immigrantes de se promener, okay? Une mobilité interlocalité dans le quotidien qui fait en sorte que d'aller essayer d'isoler les effets de localité devient moins pertinent parce que cette localité-là où la personne, on présumait, est enracinée, bien en fait, elle n'est pas complètement enracinée là. Elle peut très souvent même travailler dans une autre localité, aller à l'école dans une autre localité, avoir des amis dans une autre localité, avoir une institution religieuse dans une autre localité, avoir des amis ou des activités sociales ou autres dans d'autres localités, qui fait que la réalité spécifique de la localité où la personne vit perd de son effet. Mais c'est une réalité, c'est la réalité du Québec, donc ça nous laissait encore peut-être moins de marge de manœuvre pour étudier tout ça. Donc, je vous laisse là-dessus. Mon temps est terminé, si je me trompe. On est à 47 minutes exactement. Donc, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci encore au reste de mon équipe, j'en ai vu un tantôt dans la liste, des spectateurs. Donc, salut Chadli. Les autres, je n'ai pas eu le temps de vous voir si vous êtes là. Mais merci à tout le monde d'être là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aujourd'hui ou n'hésitez pas à me contacter par courriel de préférence pour en discuter. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci Antoine Bilodeau. Oui, en effet, on est rendu à la période de questions. Merci pour ces résultats et je me doute bien qu'en se tournant vers le rapport de recherche que j'invite tout le monde à consulter, qui est déjà dans le site web du FRQSC, vous trouverez sans doute d'autres éléments sur les questions de type de participation. Hein, vous mentionnez identitaire, communautaire, citoyenne et linguistique. Donc, on a plusieurs questions. Je vais laisser Valérie Beauregard vous les soumettre. Bonjour, merci. Bien, je vais juste prendre une seconde là, pour remercier Antoine. Merci pour ton excellente présentation. C'est toujours pertinent et intéressant à l'image de tous tes travaux. Merci beaucoup. Puis là, il y a quelques petites questions qui sont rentrées à la toute fin, donc je n'ai pas eu le temps de les apprivoiser. Alors, je te les lis comme ça. Il y a Charles-Antoine Sévigny du MIFI, qui veut savoir si quelles ont été les principales implications des résultats en matière de politique publique. Il n'y a pas eu d'implication tangible encore, là, mais quelles seraient théoriquement les implications? Oui, merci pour la question, Charles-Antoine. En fait, il y a comme un premier constat qui est le piège auquel ne pas tomber. Okay? Mais je remercie parce qu'effectivement, je n'en ai pas parlé. La première chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'a pas observé d'effet contextuel au niveau local que le milieu local n'a pas de rôle à jouer, okay, pour faciliter la participation des personnes immigrantes. Donc ça, c'est le premier constat. Parce qu'on n'est pas allé voir exactement ce qui se faisait. Il pourrait y avoir des choses qui s'équivalent. Il pourrait y avoir déjà des initiatives en ce moment qui permettaient de contrer des déficits qu'on aurait autrement observés. Donc, c'est vraiment le premier constat important. C'est que l'absence de résultats dans nos observations ne veut pas dire que le milieu local n'a rien à faire ou n'a pas d'effet. Okay? Donc, je parle ici principalement au niveau des autorités publiques, des politiques publiques ou des autres organismes qui œuvrent au niveau local. La deuxième, c'est que ce qui nous a quand même frappé de façon générale, puis je dirais peut-être tout particulièrement pour surtout sur le sentiment identitaire, c'est que ce qu'on voyait, c'était que c'était beaucoup une vague. Hein? Donc, on voyait l'écart à gauche ou l'écart à droite qui variait peu au niveau local, qui suggérait que... parce qu'en fait, on peut poser le raisonnement à l'envers. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que des personnes immigrantes qui vivent dans des milieux locaux souvent fort distincts, avec des backgrounds ethnoculturels souvent fort distincts, même en contrôlant pour leur profil socio-démographique individuel, pourquoi est-ce que les patterns, excusez-moi l'anglicisme, exprimés sont toujours aussi systématiques? Et donc, si nous, on n'a pas été capable de déceler des influences locales, bien, il y a une bonne chance que ça veut dire que l'influence se cache ailleurs. Et là, la question, c'est elle se cache où? Et donc, il y a une bonne chance que ce qu'on observe, ces mouvements-là vraiment uniformes au travers de qualité, suggèrent potentiellement l'effet d'une vague là, provinciale. C'est-à-dire qu'il y a un effet du contexte qui est important, mais le contexte ne se mesure pas au niveau local ici, mais plus au niveau potentiellement provincial. Évidemment, c'est une hypothèse parce qu'on n'a pas étudié, on a étudié seulement le Québec. Est-ce qu'on aurait observé les mêmes choses ailleurs au pays? Si on n'observait pas les mêmes choses, on aurait pu penser que c'est un effet provincial. Mais si on observait les mêmes choses dans d'autres provinces, ça suggérait un effet encore plus large, potentiellement un effet du contexte pan-canadien. Mais je pense que ça devient aussi important de se poser la question sur, la question était sur l'implication des politiques publiques. Je pense, moi, que les résultats suggèrent que les autorités provinciales ont un rôle à jouer, ou jouent déjà aussi un rôle, qui structure la qualité de la participation des personnes immigrantes. Et donc, c'est important que les autorités publiques, ici, provinciales, continuent de jouer un rôle ou pensent au rôle qu'ils ont parce qu'ils ont probablement un rôle. Donc, après ça, la direction de ça, ce n'est pas à moi de dicter, mais je pense que c'est ce que ça suggère. Donc, les politiques locales ont probablement un rôle. Il ne faut surtout pas penser que nos résultats suggèrent qu'il ne faut rien faire au niveau local. Et deuxièmement, qu'il y a des influences plus larges qu'il faut aller voir et que les autorités, dans ce sens-là, les autorités provinciales ou québécoises ont probablement un rôle à jouer. Merci. J'ai une question qui regroupe également celle du MIFI, donc je vais essayer de de rassembler. Il y a une question, entre autres, ça rejoint celle d'Alexis Amal, puis celle du MIFI. Donc, tu as utilisé dans tes analyses comme point de comparaison le groupe majoritaire, donc les personnes blanches francophones et nées au Canada. Peut-être que ce que tu l'as exploré, mais est-ce que tu crois qu'il y aurait eu des différences ou des similitudes entre les personnes racisées natives et immigrantes sur le plan de la participation? Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, c'est une très bonne question. On ne l'a pas étudiée. C'est, comme je l'expliquais, c'est qu'on n'avait pas la marge de manœuvre méthodologique pour aller creuser plus profondément. C'était notre objectif initialement. Donc, on n'était pas là, Valérie, au départ, mais on avait dit qu'on ferait l'étude des premières générations et des autres et pour pouvoir comparer, mais le coût de la collecte de données a été telle et les difficultés qu'on a rencontrées pour la collecte de données ont été telles qu'il a fallu concentrer nos efforts. Mais effectivement, la question se pose, elle a été intéressante. Est-ce qu'on a des différences entre les premières et les deuxièmes générations, qui est d'ailleurs aussi la grande question qui se pose de plus en plus, non seulement au Québec, mais ailleurs dans le monde. Le focus analytique ou d'investigation change un peu de la première à la deuxième génération. Et les réponses ne sont pas toujours claires. Il y a des attentes que la deuxième génération sera... il y a plusieurs expressions qu'on peut utiliser, moins résiliente, plus impatiente, plus affirmative, plus consciente des défis auxquels ils font face, d'exclusion. Les quelques travaux... J'ai vu des études, d'ailleurs, dans le monde qui suggéraient que c'est le cas. Moi, les recherches qu'on a faites, en général, n'ont pas démontré ça. Mais évidemment, on n'a pas tout étudié, là. Mais les quelques questions qu'on a abordées de temps en temps, puis on essayait de voir les différences, on n'en voyait pas vraiment. Puis il faut faire attention que des fois aussi, c'est des effets d'âge. Mm-hmm. Parce que c'est pas nécessairement, mais souvent, quand on va parler d'un point de vue médiatique, puis on va parler des gens qui ne sont pas des immigrants, les gens qu'on va interroger très, très souvent, pas toujours, sont des gens qui sont plus jeunes. Et on sait que sur des questions de participation, pour beaucoup de dimensions, l'âge est très, très, très important. Donc, mais c'est la grosse question qui nous reste, ben, pas juste là, personnellement, mais largement, collectivement, à répondre ou à essayer de répondre. Dans un futur projet. Oui, oui. On avait aussi une question de Geneviève Godbout qui se demandait, bien que les écarts ne soient pas prononcés en termes d'attachement au Québec, Canada ou des localités, quelle est la place de la religion dans les résultats des sondages? Je ne sais pas. On n'a pas abordé cette question-là dans le cadre de cette étude-là, donc je vais m'en tenir à ça pour... Parfait. Ben oui, on ne peut pas tout explorer, hein? C'est certes. Il y avait peut-être une question de précision, une notion de précision, pardon, plus qu'une question, mais Galia Magia se demandait comment s'est fait la distinction entre immigrants racisés et immigrants blancs? En fait, on a suivi mot pour mot la définition qui est offerte par Statistique Canada, puis... je m'excuse, je n'ai pas le nom en français en tête, l'Employment Equity Act, là, qui a établi la définition. En fait, la définition de Statistique Canada, c'est ça ma réponse. Donc, essentiellement, c'est-à-dire un répondant qui est non blanc, okay, tel que défini par Statistique Canada, et évidemment qui n'inclut pas les Autochtones. D'accord. Ouais, donc, c'est mot pour mot la définition de Statistique Canada. OK. Puis, je sais que tu as fait affaire avec une firme externe pour faire les entrevues téléphoniques. Oui. Mais plus précisément, là, comment est-ce que c'est fait l'échantillon? Donc, est-ce que tu as fait appel, par exemple, à des OBNL pour rejoindre tes gens? Non, on ne voulait pas passer par des filtres. Donc, parce qu'on voulait éviter justement les billets de sélection. On avait notre propre billet, mais c'était ce qui ressemblait le plus autant que possible à une sélection aléatoire, ce qui augmentait de manière gigantesque les coûts, parce que non seulement on essayait de recruter des personnes immigrantes, mais on essayait de recruter des personnes immigrantes dans des localités données. Et donc, les téléphonistes, ils ont travaillé fort. Et les entrevues, les entrevues étaient offertes, évidemment, là, surtout au téléphone, c'était qu'en français et en anglais. Il n'y avait pas d'autres langues offertes. Ah, c'est une précision importante aussi, tout à fait. Pour le téléphone et pour le web, d'ailleurs, ce qui un peu aussi tend dans la direction là, du ce que je l'appelais le biais d'intégration positif. Là. La langue. La langue. Et d'ailleurs, nos échantillons surreprésentent les répondants francophones, sous-représentent surtout ceux qui ne parlent pas français là, ou ceux qui parlent plus anglais. Donc, c'est vraiment un échantillon qui est très, très, très francophone ou francophile. D'accord. Il y a Jean-Pierre qui disait que lors de la présentation, tu as mentionné bon, que les chances d'appuyer tes hypothèses étaient assez faibles quand tu voyais là, les premiers résultats, ce qui effectivement, on l'a bien vu. Mais dans la conclusion, bon, tu disais que l'hypothèse 1 était confirmée et que les écarts étaient significatifs, bien que pas nécessairement important, mais significatif. Et tu disais que les résultats, ils pouvaient être généralisés aux autres dimensions, alors que tu les as pas énoncés ici, mais tu les as étudiés. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire là, sur un peu, peut-être élargir un peu plus, là, expliquer un peu plus tes conclusions en lien avec les autres dimensions que tu n'as pas eu le temps d'expliquer? Bon, je rappelle, il y avait les trois autres dimensions étaient la participation linguistique, la participation civique ou citoyenne et la participation communautaire. D'emblée, au niveau de la participation communautaire, il n'y avait franchement pas de différence entre les groupes. C'était au niveau des relations avec des amis, de l'engagement dans les groupes sociaux, sportifs ou culturels, de façon générale. Non seulement on n'a pas vraiment observé d'effets contextuels, mais on n'a pas vraiment observé de différence entre les trois groupes à l'étude. Au niveau de la participation civique ou citoyenne, on distinguait la participation électorale et donc le vote au fédéral, au provincial et au municipal. Là, on avait, encore une fois, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à raconter. On observait des niveaux de participation un peu plus faibles chez les immigrants, qui est assez classique, donc ce qu'on a observé dans d'autres études ici au Canada, au Québec ou partout dans le monde. Et on observait un peu la même chose en ce qui concerne la participation non électorale. Donc, on incluait des indicateurs comme avez-vous participé à des protestations, des manifestations, signé des pétitions, contacté des élus, des trucs comme ça. Et donc là, on avait des écarts. Les immigrants, de façon générale, participaient moins et les écarts de participation étaient un peu plus accentués chez les immigrants racisés. Soit dit en passant, particulièrement pour cette dimension-là, la différence entre les immigrants racisés et les immigrants blancs s'expliquait beaucoup par le statut socio-démographique des répondants, particulièrement par le fait qu'ils étaient les immigrants racisés, à tout le moins dans notre échantillon, mais je pense dans la population générale aussi chez les immigrants, sont non seulement plus jeunes et plus récemment arrivés. Qui sont des facteurs qui, on sait, diminuent beaucoup la participation. Les jeunes, peu importe leur appartenance ethno-culturelle ou immigrant ou pas, participent moins et tentent à participer plus avec l'âge après. Mais aussi, les gens nouvellement arrivés font face à d'autres défis qui diminuent un peu le temps disponible pour la participation. Au niveau des facteurs contextuels, je pense que je vous ai présenté les faits les plus saillants. Il n'y avait rien de systématique. Non, c'est ça. Ce n'était, on en a parlé souvent, Valérie, ce n'était que du bruit qui, quand tu étudies au total peut-être 60 possibilités de relations, puis tu en as 4 qui émergent, les chances que ce soit dû au hasard deviennent un peu... donc, rien de systématique. Je vais quand même prendre 2 secondes pour parler de la dimension de la participation linguistique, parce qu'évidemment, ici, on l'a investigué un peu différemment. Parce qu'on n'avait pas d'a priori que d'être racisé ou pas allait avoir une influence par les Français ou pas. Et donc là, on a plutôt comparé les groupes selon qu'ils étaient à la base des groupes d'immigrants francophones ou pas. Donc, quelle était la langue maternelle des immigrants? Si la langue maternelle incluait le français et d'autres, mais si le français apparaissait comme une des langues maternelles, on considérait la personne immigrante comme étant francophone. Et si le français ne faisait pas partie, ils étaient partie de ces immigrants non francophones. Et là, on avait des trucs Bon, évidemment, les immigrants francophones parlent plus souvent français que les immigrants non francophones. Bon, c'est pour ça que je n'ai pas choisi cette dimension-là. C'était un peu plus à l'est de soi. Puis, on voyait des effets de, par exemple, plus le pourcentage d'immigrants était fort dans une localité, plus la propension à parler français diminuait. Et ça, si je me souviens bien, on l'observait même en partie chez les immigrants francophones. OK. Donc, mais ça, je serais à vérifier, mais je pense que oui. Mais je suis pas... Non, peut-être pas. Je vais reprendre cette dernière affirmation-là, mais... Vas-y, vas-y. Chez les immigrants non francophones, c'était clair que plus le pourcentage d'immigrants dans l'environnement immédiat était élevé, moins les chances de parler français étaient fortes. OK. Merci. Ouais. Est-ce qu'on a temps pour une dernière question, Geneviève? Oui, tout à fait. Parfait. OK, merci. Il y avait Xavier Dionne, que tu connais. Bon, on sait que dans la dimension identitaire, il y a des tendances connues quant au sentiment d'attachement au Québec et au Canada selon le statut d'immigration. Tu en as parlé dans ton étude. Est-ce que tu aurais des hypothèses autres que celles que tu as déjà mentionnées pour expliquer cette situation-là, donc l'attachement au Québec qui est plus faible chez les personnes immigrantes et qui est plus fort pour, et donc moins fort pour le Québec et plus fort pour le Canada? Oui, c'est une grosse question. Je pense que je répondrai en deux temps. Okay. La première, c'est basée sur deux autres recherches qu'on a faites dans les dernières années. C'est un phénomène qui n'est pas que québécois. Okay? C'est-à-dire que dans les autres provinces canadiennes où il y a beaucoup d'immigration, parce qu'on n'a jamais étudié le Manitoba, par exemple, dans nos études, mais si on compare Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique, dans les 4 provinces, on va d'emblée remarquer que l'attachement pro-Canada est plus fort. L'équilibre entre l'attachement Canada et l'attachement province est toujours plus fort chez les immigrants que chez les non-immigrants. Et ça, c'est vrai dans les 4 provinces. Donc ça, c'est le premier élément de la réponse, parce que je pense qu'il faut le dire. Oui, tout à fait. Ce n'est pas qu'une réalité québécoise. Il y a un penchant pro-Canada qui s'exprime chez les immigrants partout au pays. La deuxième chose, par contre, qui là rejoint un peu la question de Xavier, c'est que c'est particulièrement vrai et saillant au Québec. C'est vraiment plus. Okay. Donc là, la question, c'est pourquoi, c'est qu'est-ce qui explique cet écart-là? Donc, pas qu'est-ce qui explique pourquoi ils sont plus pro-Canada, mais plus qu'est-ce qui explique cette particularité québécoise-là. Et là, il y a 2 familles d'explications. La première famille d'explications, ce serait l'anomalie, ce n'est pas les immigrants. L'anomalie, c'est le reste de la population qui a un attachement au Canada vraiment très faible. Très faible. Plus faible qu'ailleurs au pays. Donc, l'anomalie, si je peux utiliser l'expression, ça serait beaucoup plus du côté du groupe majoritaire que de la population immigrante. Mais la question peut quand même se poser, puis ça l'amène à l'autre famille d'explications, c'est pourquoi est-ce que ces griefs québécois-là, pourquoi est-ce que cette propension ne se transpose pas, ne se transfère pas dans la socialisation vers les populations immigrantes? Et là, on n'a pas de réponse claire. Bientôt, très bientôt, je ne suis pas en mesure d'en parler maintenant, mais on a une piste d'explication qui mettrait vraiment en contraste la perception du climat d'accueil qui est offert par le Québec et le climat d'accueil qui est offert par le Canada. Donc, je vais parler pendant 1 heure de temps, là, mais on a le modèle multiculturaliste du gouvernement fédéral qui est a priori très ouvert, très flexible. On a un modèle d'interculturalisme qui est moins défini au Québec d'emblée, moins connu, moins compris, puis qui est des fois, selon certains, qui disent qu'il est moins ouvert, moins flexible que le multiculturalisme. Il y a le bilinguisme officiel du gouvernement du Canada versus la langue officielle qui est le français au Québec, donc qui peut donner une perception de rigidité plus grande ou d'imposer des choses, donc moins de liberté que le modèle fédéral. Récemment, il y a la question de la religion, de la laïcité de l'État. Donc, le gouvernement fédéral et le gouvernement québécois ont les mêmes enjeux. Donc, tout plein d'éléments comme ça qui peuvent suggérer qu'il y a une perception que le modèle fédéral pan-canadien est peut-être plus ouvert, plus accueillant. Je ne sais pas que c'est vrai, mais il y a tout le moins une perception qui pourrait faire pencher de ce côté-là. C'est ça, bientôt, on va avoir des trucs qu'on va pouvoir montrer qui vont aider à... Mais non, mais oui, mais merci de cette primeur. On se sent privilégié d'avoir eu cette réflexion de ta part sur des résultats là, qui tu pourras nous partager dans le futur. Alors, j'espère que j'ai oublié personne, mais ça ferait le tour donc des questions pour les participants. J'ai eu beaucoup de très bons commentaires, donc je te les partage. Les gens ont beaucoup aimé ta présentation et voilà, en leur nom, je te remercie encore une fois. Merci Valérie, merci tout le monde pour les questions, les commentaires et d'avoir été là, même si vous avez été silencieux. Merci Valérie Beauregard, merci Antoine Bilodeau. Alors, je veux juste rappeler que le rapport est dans le site web du FRQSC et que vous recevrez prochainement donc un petit courriel incluant un bref sondage et évidemment le lien vers la présentation que vous pourrez diffuser plus largement dans vos milieux. Je n'ai pas mentionné avec nous la présence de Anne-Marie Fadel, qui est directrice à la Direction de la recherche et de l'intelligence d'affaires au MIFI et que je souhaite accueillir là, pour nous faire un mot de clôture donc, pour cette présentation. En fait, je voulais surtout remercier tout le monde, remercier d'abord Antoine Bilodeau pour le beau projet qu'il a mené avec toute l'équipe, toute son équipe. C'était beaucoup de travail. Certains pourraient penser que les résultats sont décevants, mais je pense qu'une absence de résultats dans certains cas, c'est un résultat en soi. Et donc, savoir qu'il n'y a pas un effet par rapport à la localité, c'est quelque chose de parlant en soi et que donc comme ministère, on peut partir de certains de ces résultats et construire, réfléchir, continuer à travailler pour de meilleures politiques et programmes pour les personnes immigrantes racisées ou donc poursuivre dans cette veine-là. Donc pour nous, c'est quels que soient les résultats obtenus, c'est quand même des résultats assez parlants et on va prendre le temps de regarder tous les résultats pour la dimension qui a été présentée aujourd'hui, tout comme les autres dimensions pour pousser un peu plus loin notre réflexion. Je voulais également vous remercier toute l'équipe du Fonds qui a travaillé dès le départ pour lancer cette action concertée, mener les travaux, coordonner le tout avec les chercheurs et d'ailleurs jusqu'à la toute fin avec la préparation de cet exercice de transfert de connaissances. Donc, merci à vous également, Madame Godbout, à votre équipe. Et finalement, merci à toutes les personnes présentes aujourd'hui, donc, qui ont animé la rencontre avec leurs questions intéressantes et je vous invite tous à aller voir l'entièreté de l'étude qui est disponible, comme vous l'avez mentionné un peu plus tôt, sur le site du Fonds et peut-être même partager la vidéo ou la réécouter avec des collègues, des amis ou d'autres personnes de votre entourage sur Facebook. C'est bien ça, Madame Godbout? Excusez-moi, ça sera sur la chaîne YouTube du Fonds de recherche du Québec. Exact, c'est ça. Alors, merci beaucoup à tout le monde et merci encore, Antoine. Merci, Anne-Marie. Merci. Alors, on met fin à la rencontre dès maintenant, mais je vous invite quand même à suivre toute autre activité de transfert de connaissances qui est présentée là, par le Fonds de recherche du Québec. Et donc, on avait un deuxième projet qui était financé suite à cet appel de proposition. D'ici la fin juin, on pourra vous en faire part de cette rencontre de transfert. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.